Monsieur Koulibaly Abdourahmane, directeur général de la Société des marieurs grossistes, société à la tête de l'interprofession de la pêche depuis le 3 août 2023. Nous tenons à remercier le PCA de l'interprofession de la pêche de Côte d'Ivoire, M. Kassogué Daoudadi, M. Moumouni, qui durant ces 10 journées a véritablement aidé les acteurs du secteur à participer au SARA 2023 en permettant les déplacements des uns et des autres jusque sur les différents sites de visite et d'exposition. Pour parler de bilan, nous disons que à ce stade, c'est un bilan satisfaisant pour nous, jeunes interprofessions, nés d'il y a cela seulement deux mois. Et nous avons pu faire connaître la structure à l'ensemble de la population. Nous avons pu distribuer environ 2000 prospectus, dont 1400 cartes de visite et obtenu autour de 150 rendez-vous déjà. Donc je pense que le bilan, il est positif pour nous, pour toute l'équipe qui a travaillé sur le stand de l'interprofession de la pêche. À l'état de Côte d'Ivoire, l'appel que nous pouvons lancer concerne trois points. Le premier point, vu que la Côte d'Ivoire ne possède pas de navire de pêche de grande capacité, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire puisse aider l'interprofession de la pêche à acquérir des outils d'exploitation de nos eaux, surtout au plan maritime. Et au second plan, nous souhaitons que l'État aide l'interprofession de la pêche à faire immatriculer les navires de pêche battant pavillon ivoirien. Et au troisième point, nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire puisse permettre à l'interpêche, à part ces deux points-là, d'aider à faire baisser le coût de la licence de pêche en haute mer. Et ce sont ces trois points-là, si véritablement ils sont pris en considération, qui permettront à l'Ivoirien lambda d'avoir accès aux poissons à moindre coût. Et aussi de faire baisser les importations de poissons qui sont autour de 1 200 000 à 1 300 000 tonnes l'année, d'au moins 50%, et de permettre également d'accroître la production locale. Nous lançons un appel également au président de la République pour la signature de notre décret de reconnaissance, car cela permettra à tous les acteurs de la pêche d'être reconnus officiellement, de prendre des initiatives vis-à-vis des bailleurs de fonds que sont l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque arabe de développement et toutes les entités pouvant aider à faire développer au mieux le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire en termes de poissons en Côte d'Ivoire et de garantir la sécurité alimentaire à ce niveau également.